J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où en fait j'ai eu l'idée là maintenant tout de suite et on va partir maintenant pour faire cette vidéo. Je vais tout simplement faire un potager au local. Oui, vous ne rêvez pas, je vais faire un potager au local. Où en fait dans ce potager il y aura des tomates cerises, des fraises et des radis. Parce qu'en fait c'est le plus simple à entretenir et c'est le plus rapide à avoir. J'espère que vous êtes chaud à me suivre sur ce vlog parce qu'on va faire un petit vlog où on va se déplacer à Truffaut. Où en fait je vais désherber, je vais créer le potager et ensuite on finira par la finition, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera fini et que j'aurai plus qu'à alimenter en eau ce petit potager. Je compte vraiment sur vous pour mettre un like en bas de cette vidéo et tu me dis en commentaire quel est ton fruit préféré. Peut-être que je l'ajouterai au petit potager. Tu vends vos commentaires les potes. Bref, sur ce, on va commencer par déjà essayer de trouver l'endroit où on pourrait faire ce potager. Alors déjà que comment te dire, on va pas le faire là. Même s'il y a du gazon, il est synthétique. Hein. Dans tous les cas, on pourra pas faire de quelque chose de bien, tu vois. Non, moi où j'avais l'intention de faire un petit potager, c'est plutôt vers ici, tu vois, parce que dès qu'on sort un peu, juste ici, on a un espace, tu vois, où en fait on peut aller très loin. D'ailleurs ici, c'est un peu la jungle. Là, tu te mets comme ça, tu te dis, oula, c'est bon, je suis en Amazonie, tu vois. Ou alors j'avais prévu directement de le faire ici. C'est qu'en fait, dès que tu sors, il y aura le potager et tout de suite après, ici, il y aura l'endroit où plus tard pour cet été, on va l'aménager pour faire un peu les barbecues et tout ça. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Mais là, comment te dire aussi que c'est aussi la jungle. Là actuellement, il y a des trucs de McDo, il y a du papier, il y a bref, là, il n'y a rien qui va. C'est pour ça que l'étape 1, je vais tout simplement tout désherber, je vais tout démonter. Là actuellement, regardez bien le avant et vous allez voir le après dans quelques minutes. Je vais me défouler dans cette vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon allez, c'est parti les gars, on va désherber. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est ça. Parce que oui, au local, on est éclaté en termes de jardinage et que j'ai rien d'autre que ça, donc je vais faire avec. Démonte tout. Allez. Ça, c'est pour les pouces rouges. Ça, c'est parce que t'as pas mis de like en bas de cette vidéo. Ah merde, il y avait une petite lampe. J'ai démonté une petite lampe. Les potes, après 15 minutes de désherbage, je viens enfin de finir. Actuellement avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Là il y a actuellement plus d'herbe. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est de prendre maintenant des planches et d'essayer de faire un rectangle pour mettre ensuite le potager, ensuite les plantes et ensuite on aura déjà fini cette vidéo. C'est plutôt pas mal. Non, bien sûr, il faut faire le cadrage, ensuite on ira à Truffaut avec mon petit Aiden pour aller chercher tout ce qu'il nous faut et ensuite on fera tout ce que je vous ai dit. Mais en tout cas c'est un peu galère, si tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué hein. Bref, on continue les potes. Là, les potes, regardez comment j'ai bien fait. Bon, on dirait que c'est un gamin de 6 ans qui l'a fait, mais c'est fait. Regardez, c'est bon, je viens de faire l'emplacement où en fait il y aura le terreau, les plantes et tout ce qui va avec. Regardez-moi comment c'est plutôt pas mal. Donc voilà, déjà ça c'est fait, on n'a plus qu'à aller le mettre juste là-bas. Et ensuite je pense qu'on va partir directement chez Truffaut, aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un bon potager. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un like en bas de cette vidéo si vous kiffez actuellement cette vidéo et que vous avez hâte de voir le résultat, le avant après, parce que moi j'ai hâte, je peux te le dire. Et surtout n'hésitez pas à me follow directement sur mon compte Instagram, parce que là c'est bien beau, je vais faire la vidéo, il y aura les plantes et tout ça, mais si vous voulez suivre l'avancée du potager, directement ça se retrouvera sur mon compte Instagram geekpapyt. Va me follow, il y a plein de choses, il y a des photos, des stories, bref, ce qui n'est pas sur YouTube et sur mon compte Instagram les potes. Et sur ce, on prend ça et on y va. Non, en fait c'est trop lourd, ce que je propose c'est directement faire ça. Attention. Et voilà! Regardez comment il est plutôt pas mal! On a clairement l'impression qu'il était là depuis le début. Il était fait pour aller là. Bon, c'est pas comme si j'avais pris exactement les mesures qu'il fallait, mais bon, il s'y plaît bien juste ici. Bref, ce que je vous propose maintenant, c'est directement aller chez Truffaut, aller chercher tout ce qu'il nous faut. Je rêve où j'ai fait un rime sans faire exprès. Allez, c'est parti les potes! Les amis, on arrive à Truffaut! On va aller acheter du petit terreau! Bon, à partir de maintenant, je vais vous filmer avec mon téléphone parce que si il me voit rentrer avec une grosse caméra comme ça, il va me dire c'est pour un tournage de TF1 ou... Pourquoi t'es en train de filmer comme ça? Allez, on se retrouve juste après les potes. Oh les gars, regardez, il y a des tomates un peu partout. Je sais pas laquelle prendre. Je pense que je vais prendre des tomates cerises parce que c'est un peu les meilleures. Tu veux prendre quoi comme... Tomates cerises, pour moi, c'est le truc de l'été, genre. Ok, allez, c'est parti. On prend un comme ça et un comme ça. Oh les gars, des petites fraises à 3,50. Je les prends tout de suite. Allez hop, c'est dans le panier. Qu'est-ce que tu fais là? Il me faut du terreau, mais du terreau en mode avec de l'engrais, tu vois, parce que comme ça moi j'ai pas le temps à perdre, à attendre 5-6 mois le temps que ça pousse, tu vois. Moi je veux que ça pousse de suite. Ah ben là voilà, c'est bon, tu vois. Là, on attends, du attends, parce que sur 6 balles là, 6 balles de la terre, ouais. De la terre, alors qu'on est entouré de la terre, ça s'appelle la terre, et genre c'est chelou. Exactement, il y a de l'engrais, tu sais ce que c'est? C'est comme non. Si en fait il y avait des chevaux qui chiaient, ils mélangeaient le caca avec de la terre et ça fait de l'engrais.
Ok. Et si nous... Mais on a qu'à recycler nos caca. Exactement, tu casses de la terre. Ah, il y a déjà l'autre chien d'ailleurs. Je vous expliquerai pas, c'est mort. S'il y a des pouces bleus, je vous expliquerai sans souci. Il a chez d'or, hein? Hein? Quoi? Bon, allez, sur ce, on prend, j'en prends 3 ou 4 et c'est bon. 3, 4? Tu vas faire un terrain, genre un terrain de foot? Ouais. C'est le vélodrome en fait. Exactement, c'est le vélodrome. Oh les gars, il a pris combien? 50 litres. Ça représente combien de kilos? 50 kilos. Non. Bah non. Et n'importe quoi, t'es en train de me faire douter, genre. Marquez-vous nous en commentaire. 50 litres égale combien de kilos? Mais non, 50 litres, hein, tu convertis, ça fait... Mais 1 litre, 1 kilo? Ça fait 5 kilos. Je sais pas marquer mon c'est un chiffre gars. Après la virgule. Je rigole, je fais trop le connaisseur. Oh merde, hop, des petits radis pour le potager. Là, mon petit Aiden, on arrive au coin poisson. Et ce que je te propose, en fait, parce qu'en fait, j'ai un poisson, mais il est tout seul. C'est vrai, il a plus d'amis, pourquoi? Parce qu'il y a Billy Boy qui est décédé malheureusement. C'est vrai, on l'avait jamais annoncé d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on va aller au poisson. Et c'est toi qui vas choisir le poisson. Bon, du coup, mon petit Aiden, t'as fait ton choix ou pas? Là, il y a les potes acides. J'hésite de lui prendre une meuf, tu vois. Mais moi, c'est un cide que j'ai, ouais. Ouais. C'est leur pote. En gros, c'est, les mêmes que ceux-là, c'est le même que celui-là que j'ai. C'est son frère qui est là, genre. Mais écoute, tu fais ton choix et on regarde juste après. C'est bon, les gars, on a tout acheté. On retourne au local et on va tout planter, les potes. C'est parti, au local! Regardez le poisson qu'on a pris. Sois pas jaloux toi. Regardez le tout nouveau. Il est trop beau. On l'a appelé Mac Tyson parce qu'il a une petite tache sur l'œil. Et de 1, et de 2, et de 4. Oh, ce dernier j'ai pris un peu dur là. Nous voici avec 200 litres de terreau. Ce que je propose c'est directement de les mettre et de voir directement si on aura assez. Parce que ça j'en suis pas sûr. Oh les gars, je suis trop content, je pense qu'on en aura vraiment assez pour le coup. Regardez-moi ça! Et franchement, on en a vraiment, mais vraiment pile poil. Regardez ce que j'ai rajouté. En plus, j'ai rajouté un ancien aquarium qui traînait, qui allait à la déchetterie. Du coup, je l'ai récupéré et je me suis dit, je vais mettre un plant soit de tomates ou soit de fraises pour voir est-ce qu'il va pousser plus vite que les autres. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est sous serre, ben, ça pousse beaucoup plus vite. Et je me dis, le fait d'avoir un aquarium avec les reflets des verres et tout ça, et en plus de ça, l'eau qui va rester au fond de l'aquarium, je pense que ça peut aider. Marquez-moi en commentaire si cette astuce est utile ou pas du tout. Les amis, je viens de finir le fameux potager, il est juste derrière moi. Est-ce que vous êtes prêts à voir le potager du local dans 3, 2, 1? C'est parti les amis, savourez le petit potager du local! Voilà les amis, cette vidéo est presque finie. Là actuellement, je suis en train d'arroser mes petites plantes. Là comme vous voyez, là tout est en train d'être arrosé. Là j'essaye de bien mouiller la terre pour faire un bon commencement. Là tu vois, un bon truc sympathique. Bref, n'hésitez surtout pas à me marquer en commentaire si tu as des conseils à me donner par rapport au potager. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait qu'il faut pas faire? Ou alors est-ce que vous avez d'autres conseils pour m'améliorer, pour avoir des petits légumes? Marquez-moi tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram pour voir l'avancée des fruits. Je ferai une story par semaine. Je compte vraiment sur vous, Geek Papy Greg T. Et puis sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, une autre vidéo que j'ai fait, c'est juste ici. Pour t'abonner, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geek Bab. Allez, bye tout le monde.